Ce que vous voyez devant vous, c'est mon poulet Diljot. Il fait quoi lui? Pourquoi il capture mon poulet? Ce poulet est là, moi maintenant. C'est quoi ce délire là au bout d'un moment? Je dois aller l'attraper vite. Vite, c'est quoi ce délire là? Il faut que je récupère mon animal. Ok, il est où Diljot? Il est où mon pauvre poulet là au bout d'un moment? Non, il est nulle part. C'est qui ce type? T'es qui toi? Je suis quelqu'un, vous inquiétez pas. Non, arrête de me prendre pour un débile. Bon, ok, c'est moi qui t'ai volé ton poulet. Ah, mais t'as pété un câble ou quoi? Pourquoi t'as volé mon poulet comme ça? Rends-le-moi tout de suite. Désolé, je te le rendrai bien, mais malheureusement, je l'ai plus sur moi, là. Qu'est-ce que tu racontes? Dis-moi, vite, avant que je te tue, là. Bah, tu vois, normalement, il était dans cet enclos, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a mangé. Oh non, quoi? Non, me dis pas qu'il est mort. Mais non, il est pas mort, il est à l'intérieur d'un de ses animaux. Attends, est-ce que c'est toi qui l'a mangé? Mais non, mais toi, t'étais malade ou quoi? Je mangerais pas du poulet, hein. Ah ouais, vraiment, hein, qui mangerait du poulet, les mecs? C'est vraiment l'aliment le plus bizarre. Mais non, c'est un aliment normal. Tu as mangé ou pas? Mais non, c'est pas moi qui l'ai mangé. De toute façon, c'est forcément un de ces animaux dans la ferme, donc va les interroger. Oh non, faut vraiment que je trouve qui l'a fait, qui l'a mangé. Oh, je sais pas, il y a beaucoup trop d'animaux. Bon, en tout cas, les mecs, il y a des mobs, on est sûr que c'est pas eux, hein. Je vais pas vous mentir que là, la grenouille, elle peut pas manger un chicken, c'est impossible. Bah, bien sûr que si que c'est possible. Pourquoi tu parles, toi? Bah quoi, t'as jamais vu une grenouille parler ou quoi? Question débile, question très bête. Bien sûr que non, j'ai jamais vu une grenouille parler. Mon dieu, frérot. Est-ce que c'est toi qui as mangé le chicken, là? Ah bah non, pas du tout. Oula, pourquoi ton nom, pas du tout, il est totalement suspect, c'est quoi? Je rentre à l'intérieur de toi. Oh, les mecs, alors, je suis à l'intérieur de sa bouche. On va sauter directement. Ok, les mecs, c'est bon, on est arrivé directement dans cet endroit avec un peu beaucoup de crocodile à mon goût. Non mais attends, les mecs, ils veulent me tuer, là je peux même pas sauter sur ce truc. Ça va mal se terminer, cette histoire. Non mais ça va aller, franchement, on est bien finalement en dehors de la grenouille. Comment une grenouille, ça va manger autant de choses comme ça? Regardez-moi ça, il y a plein d'alligators dans sa bouche. C'est pas normal au bout d'un moment. Bon, mais bon, on va quand même le tenter, les mecs. Allez. Oh, vite. Oh mon dieu, imaginez, j'avais flop, mon dieu. J'ose pas imaginer personnellement. Mais bon, j'espère vraiment que c'est la grenouille qui a mangé Diljot, mon pauvre Diljot. Parce que bon, avec du recul, j'ai remarqué un truc. Il y avait une sorte de boîte noire dans le hangar. C'était quoi cette boîte noire, sérieusement? J'ai bien peur qu'au pauvre Diljot soit enfermé là-dedans, hein. En tout cas, bon, je sais pas ce que c'est. Visiblement, là, on a un arc et des blocs, on va prendre tout ça. Mais bon, attendez, regardez-moi ça. Un cœur est apparu, ça doit être le cœur de la grenouille. Oula, attendez, on a une notif. Quelque chose a l'air d'être cassé. Comment ça, quelque chose a l'air d'être cassé là? Qu'est-ce qui est cassé là? Oula, je pense que c'est la redstone qui a juste ici, les mecs. C'est quoi ça? On dirait que ça a été fait par un enfant de 5 ans, pour être honnête. Donc bon, on va réparer le tout en posant, bien évidemment, plein de redstone de partout. Et normalement, c'est bon, j'ai tout réparé, les mecs. Le mécanisme va pouvoir refonctionner, puisqu'on va l'allumer, boum, juste ici, et... Pourquoi ça flop? Ah, en réalité, je suis nul en resto, les mecs, c'est bon. J'ai compris, c'est comme ça que ça marche. Oui, ça marche. Oui, allez. Dites-moi que le cœur va être réparé. Ok, c'est bon, le cœur a l'air de marcher maintenant. On va pouvoir passer à la prochaine étape, qui a l'air d'être un jump, les mecs. Quand on saute d'un jump comme ça, en général, c'est pas rassurant. Oh mon dieu, ça va, c'était rassurant. Nettoie le ventre de la grenouille. C'est vrai que là, le ventre. Oula, mon dieu, mais c'est sale. Mais elle est malade de fou, la grenouille. Par contre, je vois pas de chicken, hein. Bon, les mecs, on a reçu une sorte de machine qui permet de prendre les mobs à l'intérieur d'elle. Donc bon, on va prendre des mobs et boum, allez, au revoir, je vous prends vous aussi, boum, au revoir. Non, mince, je les ai pas jetés. Bon, au revoir, dites-moi que j'ai trouvé mon chicken, s'il vous plaît. Oh, les mecs, c'est pas possible. J'ai éliminé tous les mobs et je croise quand même pas Diljot. Oh là là, non, j'ai éliminé tous les mobs. Bon, bah tant pis, les mecs, on descend. Mais bon, les mecs, c'est pas possible, au bout d'un moment, il était pas là. Hé, toi, tu tombes bien, toi. Quoi, qu'est-ce que je t'ai fait encore? Frérot, c'est quoi cette boîte noire? Dis-moi ce qu'il y a à l'intérieur. Ah, cette boîte noire, ça, c'est mon mob le plus puissant. Est-ce que ce serait pas un petit poulet? Et si tu rentres à l'intérieur, je te tue, mon gars. Oula, oui, ok, pardon. Je vais pas le faire, t'inquiète pas, je vais interroger les animaux. Ah, les mecs, j'ai trop le seum. Vous inquiétez pas, j'ai un plan, on va rentrer à l'intérieur de cette boîte. Mais bon, juste avant de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte noire, on va interroger les autres mobs pour pas que l'honnête me crame en train d'essayer de rentrer dedans. Bon, monsieur le ravageur, là, est-ce que c'est vous là qui avez mangé un dénommé Diljot? Hein, comment ça je dois dire Jolt? Non, Diljot, c'est mon poulet. Est-ce que t'as mangé du poulet? Bah non, enfin, excepté une fois, il y a pas très longtemps. Non, mais, pardon, quand précis. Bah, genre hier, quoi. Non, c'est pas lui, les mecs, c'est pas lui. Ah bah, après, aujourd'hui, je sais plus, peut-être. Ah,
Eh hey, bon frérot, tu sais quoi? Mange-moi, mange-moi. Hein, mais t'as pas l'air appétissant. Oh, bah les mecs, s'ils veulent pas me manger, je vais rentrer à l'intérieur de lui. Wow, on est arrivé à l'intérieur du ravageur, les mecs. Je suis sûr que c'est lui qui l'a mangé. Finalement, j'ai changé d'avis, je pense plus que c'est la boîte noire. Oula, oula, par contre, c'est quoi ces concepts là? C'est pas rassurant, je fais quoi là? Je saute par terre, je saute sur des cactus qui font mal. J'ai 4 cœurs en plus, avec c'est pas rentable. Ok, non, on tente. Oula. Ok, bon, c'est bon, on est de retour. C'est bon, je vais sauter sur les cactus, j'ai compris, c'était le seul moyen d'être rentable. Ouais, mais on peut pas rester longtemps en même temps. C'est rentable que si on reste pas longtemps. Ok, je descends. Non, non, non. Bon, ce dropper commence à sérieusement m'énerver là, les mecs. Comment on fait? Comment on fait? On est obligé de mourir au bout d'un moment. Parce que quoi qu'il arrive, on perd du temps. Enfin, on perd des HP. Et si on réfléchit trop, on perd tout court. Ok. C'est bon. Bon, c'est la dernière fois que je fais un dropper. Les mecs, je déteste ça. Si vous voyez dans une autre vidéo que je fasse un dropper, dites-moi que je suis fou dans les commentaires. Et j'irai mettre un cœur à votre com. Ok. Choisis une tour. Mais mon dieu, pourquoi il y a des énigmes à l'intérieur du ravageur? Pourrait pas juste y avoir un chicken qu'on puisse récupérer? Bon, je switch choix cette tour là, là, là. Bon, non. Pourquoi je meurs? Ok, c'est bon. On va pas dans la tour de gauche. Oh mon dieu. On va dans la tour de droite. Elle est pas mal, la tour de droite. Voilà. Ok. C'est bon. J'ai pas été transporté dans le ciel comme du n'importe quoi. On va monter à l'intérieur de cette tour. Il y aura pas de piège au-dessus. J'ai besoin d'être devenu quelqu'un de nerveux en ce moment, les mecs. Cette tour me fait peur. Surtout que. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi cet objet? Qu'est-ce que c'est représenté? Ah, c'est du chou-fleur. Mais depuis quand il y a ça sur Minecraft? On en apprend tous les jours. Je sais. C'est ajouté dans laquelle version, les mecs? Oh, j'ai bégayé quand j'ai parlé. Ok. Bon, ok, les mecs. Ça sert à rien. Et oh mon dieu, c'est quoi ça? Me dis pas que c'est un P là. C'est pas un gaz quand même. Bon, je sais pas ce que c'est, mais ça fait très peur. Hein. On va pouvoir aller à l'intérieur de la deuxième tour. J'espère qu'il y a un truc intéressant. Ouh, il y a le coffre. Ouh, avec des bulldozers à l'intérieur. Donc, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire de ce bulldozer là? À part ce mur que je pourrais exploser, je sais pas quoi faire. Oh, d'ailleurs, regardez-moi ça. C'est un bulldozer Fuse 3. Bon, bah merci à Fuse qui a permis de sortir de cet endroit. On va exploser ce mur. Let's go. Allez, faut sortir. Oh non, je suis pas sorti. Je suis actuellement arrivé dans un nouvel endroit qui a l'air d'être rempli de plusieurs endroits. Eux-mêmes à l'intérieur d'autres endroits. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Pourquoi il y a des golems morts? Dites-moi que je vais pas retrouver mon petit poulet là, totalement mort comme ça aussi. Bon, en tout cas, on a un bazooka. Je crois qu'il faut tirer sur ça. C'est super nul comme concept. Ok, bon, c'est pas grave, les mecs. Une fois n'est pas coutume, on va tenter la deuxième fois. Dites-moi que je vais pas mourir. Pourquoi ça marche pas? Ok, oui, c'est bon, les golems tombent dans la lave. C'est bon, les mecs, j'ai éliminé tous les golems. Je sais pas à quoi ça servait. Les pierres, ouais, t'es informé. Tu fais que j'ai éliminé le golem. Ils vont arriver pour me tuer. Donc, bon, vous savez quoi, les mecs? On va creuser par en bas. Hop, on quitte le ravageur. Oh, les mecs, c'est bon, c'était pas lui. C'était clairement pas lui. Non, sérieusement, je pense que c'est plutôt à l'intérieur de ça qu'il faut chercher. Non, j'avoue, c'est moi. Quoi? Oui, j'avoue, c'est moi, l'axolot. C'est moi qui l'ai mangé. Ah, mais comment c'est possible juste physiquement? C'est impossible. Mais si, moi j'en mange beaucoup des choses. Oula, en plus, je t'appelle KFC. Ah ouais, moi j'adore ça, le poulet, c'est trop beau. Frérot, je vais te rentrer à l'intérieur, je vais sortir le poulet de ta bouche. Hein quoi? Allez, viens là, frérot. Ok, je suis rentré à l'intérieur du corps de l'axolot. Hein? Pourquoi y a Mario à l'intérieur de. Mais c'est quoi ce délire là? Qu'est-ce qu'il fait là, ce type? Mario, qu'est-ce que tu fais là? Oh, hello, it's me, Mario. Bon, je m'en fous, arrête de me faire ton blabla éclaté. Dis-moi pourquoi t'es là? Eh ben, en fait, c'est une très longue histoire. Et mais pourquoi tu me portes? Je sais pas, ça me faisait rire. Et tu arrêtes ça tout de suite, tu ne joues pas avec le Mario. Si, je suis Luigi, vas-y, pas de soucis. Bon alors, pourquoi tu es là, Mario? Tu veux que je t'emmène une ou quoi? Je vais te mettre une boule de feu. Oh mon dieu, Mario est méchant, c'est bon, c'est record. C'est pris en 4K 60 FPS, monsieur. J'ai posé ça sur YouTube. Oh non, mamma mia. Tu veux des pièces pour pas mettre ça sur YouTube? Bon, j'ai pas besoin, je rigolais avec toi, Mario. Qu'est-ce que tu fais là? Réponds à ma question, punaise. Eh ben, en fait, je voulais aller secourir la princesse Peach, mais je me suis fait aspirer par l'axolot. Non, mais sérieusement, là? Mais oui. Bon, viens, on va sortir de cet axolot. Déjà, la première mission, c'est de quoi? D'aspirer tous les déchets et de les mettre dans la poubelle. Mais, t'étais en train de rien faire, là. T'étais en train de rien faire pendant que moi, je rangeais, là. Bah oui, t'étais en train de faire, donc je pensais que t'allais faire tout seul, comme un vrai. Frérot, Mario, je vais te reporter, frérot, et je vais poster ça sur YouTube si tu continues là. Ok, je t'aide. Ah, tu veux pas que je poste sur YouTube, hein, bizarrement. Hein. Il est débile, les mecs. Dans tous les cas, la vidéo sera postée sur YouTube. Hein. Mettez honteux Mario dans les commentaires. Il va être choqué quand il va voir ça. Monsieur Mario, est-ce que vous seriez pas actuellement en train de faire un épisode de Mario et Luigi voyage au centre de la grenouille, comme votre jeu voyage au centre de Bowser? Hein, mais toi, t'as rien compris ou quoi? C'est pas une grenouille, c'est un axolot. C'est vrai que je suis débile, t'as totalement raison, frérot. C'est pour ça que je vais poster la vidéo YouTube. Non, que t'es très intelligent. Mais je sais pas pourquoi t'as autant peur de ta réputation, c'est pas normal, hein. Enfin, moi je suis connu pour être gentil. Si les gens voient que je suis méchant, va pas y avoir beaucoup de ventes sur mes jeux. Ah, c'est sûr qu'une vidéo de Aspace TV, ça pourrait te détruire, hein, frérot. Bon, en tout cas, on a tout jeté à la poubelle. Ah non, je crois qu'il manque quelque chose. Oh là. Gênant de fou. Ok, bon alors. Hein, je reviens, j'ai sur mon téléphone, je vais aller poster sur YouTube Studio, l'application YouTube pour les YouTubeurs. Attends deux secondes. Hop. Hein, non,
Non, fais pas ça. Hein, qu'est-ce que tu veux pour le paquet que tu mets sur YouTube, s'il te plaît, s'il te plaît. Si tu veux, je te mets dans mon prochain jeu. Quoi? Bon, ok, ça me va. Vas-y, d'accord, marché conclu. Ok. Ouh. Ah ben, le jeu, on voulait faire un nouveau Candy Crush. Mais version Mario. Quoi, c'est nul. Mais non, c'est super bien, je te jure. Mon dieu, les mecs. Bon, bah, super, on va faire un jeu qui va flop en plus. Ah non, bah, moi, ça vaut pas le coup. Je poste la vidéo si c'est ça le jeu. Hein. Attends d'ailleurs, regarde-moi ça, ça s'est ouvert. Oh oui, c'est le niveau sous-marin, ça je connais bien ça. Oula, bah, ça tombe bien, on a des sous-marins. Oh non, me dis pas qu'on est comme dans Mario là. Mais si, il faut essayer d'aller trouver le drapeau. Je te préviens, si c'est ça le jeu Mario dont tu me parlais depuis le début, c'est mort. Bah si, regarde, t'as tous les petits trucs qu'il faut mettre ensemble. Frérot, c'est nul, 0 sur 20 pour le coup, ce jeu est éclaté. Mais tu vas pas poster la vidéo sur YouTube, hein. Arrête de parler de ça. Oh, c'est quoi ça? C'est bon, j'ai trouvé la sortie. J'ai trouvé la sortie, let's go, on peut quitter l'Axolot. Oh, bref, tant pis pour Mario, enfin, force à lui. Je sais pas pourquoi le Axolot il nous a menti là. Pourquoi tu nous as menti, frérot? Et non, je voulais juste manger, je voulais savoir à quoi ça ressemblait un humain. Mais frérot, j'ai tué en fait. J'ai perdu mon temps pour toi. C'est insupportable. Mais bon, du coup, les mecs, on s'en fiche de tout ça. On va aller directement miner ce bloc qui me saoule au bout d'un moment. Oubinez, salut à Spaz. Oula, frérot, Homer Simpson, ton ventre il est bien gros là, c'est bizarre, ça cache quelque chose. Ben oui, j'ai passé mon après-midi à manger des donuts. Des donuts. Est-ce que un chicken ça peut te parler là? Mais moi je mange pas les poulets. T'es sûr hein? Oui, par contre je connais quelqu'un qui adore les poulets. Pourquoi tu parles comme ça? Bon, c'est qui? Il s'appelle Bassirou. Oh non, j'ai déjà entendu parler de lui. Non, me dis pas que c'est le Bassirou que tout le monde connaît. Oh non, c'est pas possible. Non, c'est vraiment le Bassirou bien grand quoi, j'allais dire bien gros même hein. Bah oui, si tu finis pas ton assiette, et ben il va la finir pour toi. Bon, je veux pas savoir, me dis pas qu'il est dans lui. Les mecs, si mon poulet est à l'intérieur vraiment à l'intérieur de Bassirou, la vidéo va durer 2 heures hein, parce qu'il y aura du contenu, hein, il y aura des salles hein. Mais non, t'inquiète pas, c'est pas lui là, il est un autre restaurant. Pour tout te dire, je crois que c'est la vache qui l'a mangé. Pourquoi je dirais que c'est la vache? Bah mon gars, regarde juste son nom. Attends, son nom c'est Bassirou. Oula, mais ça s'écrit pas comme le vrai Bassirou. C'est Bassirou ou pas? Mais non, mais elle, je sais qu'elle aime aussi les poulets. Elle aime les poulets, est-ce que je la mange? Bah non, elle est réservée à Bassirou. Bon, je comprends plus rien à ta logique, frérot, je comprends plus rien. Bon, on va vérifier si elle est à l'intérieur. Bon, mange-moi, petite vache. Oula, où est-ce que je suis arrivé là? Non, ça a l'air d'être éclaté. Ça se voit qu'il n'y a pas le poulet. Le poulet n'est pas là, et en plus, regardez-moi ça, il n'y a pas de mission à faire, à part le fait de voir une vache bizarre qui est en train de voler bizarrement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Il faut que je trouve un moyen de sortir. C'est bon, ça que t'es les mecs, fini de jouer là. Je sais pas si vous avez vu, mais dans la ferme, il y avait un pillager. On s'en fout du pillager. Dès que je sors de cette vache, je fouille la boîte noire. Je suis sûr que c'est à l'intérieur que je trouve mon poulet. Donc bon, vous savez quoi, j'ai un plan là pour partir de cette vache. Il faut soit que je trouve un trou, soit que je sois expulsé. Donc bon, pour être expulsé, je sais ce que je vais faire. Je vais faire vomir cette petite vache. Et bon, pour la faire vomir, je vais faire n'importe quoi. Donc bon, j'ai ramené toutes les vaches côte à côte là, c'est bon. Normalement, si je fais des sauts, que je fais plein de trucs, la vache va peut-être vomir. Homer! Inès, je crois que la vache, elle m'a mangé. J'ai l'impression que je t'ai fait manger, mais comment débile toi? On sait quoi ça pourrait une grosse vache? Ben moi, je crois que les grosses vaches, ça donne des gros sauts de lait. Ok, mais comment on fait pour prendre un gros saut de lait si on peut même pas la traire parce qu'elle est trop haute? Mais je sais pas, tu sautes. Homer, c'est une idée nulle, ça marche pas, tu vois bien que ça marche pas. Bah peut-être demande-lui des sauts de lait, peut-être qu'elle te donne. Mais ça va pas marcher, donne-moi des sauts de lait par pitié la vache. Hein? C'est une coïncidence, c'est vraiment une coïncidence pour le coup. Hein. Ça a marché. Oh merci, une coïncidence, ça n'a rien à voir avec le fait que je lui ai demandé, ça doit être un bug. Mais non, moi je connais très bien les vaches, elles sont très gentilles. Tu ne connais pas, frérot, je suis désolé de te dire que tu ne connais pas pour le coup. Bon bah tu sais quoi, regarde-moi ça. Ça tombe bien, on a du sucre, de la paille et du lait, tu sais ce qu'on peut faire avec? Bah non. Frérot, si on rajoute un œuf, ça nous donne quoi? Bah je sais pas, mais tu vas le trouver où? Oula, c'est vrai que je suis débile là, on n'a pas d'œuf. Bah j'ai une idée. On demande à la vache. Non, ça a pas marché. Vas-y. Madame la vache, on peut avoir un œuf? Tu vois, ça marche pas, je te l'ai dit. Inès, un œuf géant. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est possible, bon, maintenant va faire le gâteau. Mais non, mais c'est pas normal. Le problème de traîner avec toi, Homer, c'est que j'ai l'impression de devenir un tépile. Alors que tu dis n'importe quoi. Bon, on va quand même craft un gâteau normal, même si ça m'énerve. Ok, c'est bon, j'ai mon cake géant. Bon, bref, Homer, prépare-toi. Hein. Je vais le poser avec un plan dans ma tête. Mon objectif, c'est de faire vomir la vache. Donc, on va être éjecté. C'était pas pour moi le gâteau? Non, bien sûr que non. Ok. Oh. 3, 2, 1. Let's go. Allez. Oh, ça bouge. Ça bouge, ça tremble. Oh, ça tremble. Oh, au secours. Mais bon, du coup,
Attendez, mec, comme je vous l'ai dit, on va essayer de rentrer à l'intérieur de la boîte noire. Et... Hein, pourquoi ça marche pas? C'est quoi ça? Je sais pourquoi ça marche pas. Hein? Comment ça, tu sais? Mon gars, c'est normal, c'est parce que je suis malade, ça. Bon, tu sais quoi, je te dirai comment ouvrir la boîte si tu répares mon mécanisme à l'intérieur de moi. What? Mais t'es un arnaqueur, dis-moi juste comment on fait. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je te le dis pas, hein, dommage. Mais t'es sérieux? Bon, c'est bon, je vais réparer ton mécanisme, laisse-moi rentrer. Oh, ok, ok, c'est bon, je suis arrivé à l'intérieur du golem, mais là, on a l'air d'avoir vite fait. Ça doit pas être ça que je dois réparer, les mecs. Il veut que je répare un peu ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Ouh. Déjà, là, on a un système d'ascenseur qui a l'air plutôt top, hein. Mais bon, là, on est arrivé à la deuxième salle, non? Il y a pas l'air d'avoir de problème de mécanique à l'intérieur de ce golem. Ok, il faut passer peut-être à l'intérieur. Oh non, mais c'est full buggé, ça, par contre. Ok, je sens que ça va m'énerver là. Oula, oula. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, les mecs, on est passé. Et bon, les mecs, là, on est dans la troisième salle directement et j'ai l'impression qu'on a quelques petits trucs à modifier. Il faut peut-être allumer tous ces pistons là. Donc, bon, le premier, on va l'allumer comme ça, ça va être plutôt facile. Let's go. Et de 1, c'est bénef. Le deuxième, là aussi, on appuie sur ça et c'est bon. Tous ceux-ci sont déjà reliés. En vrai, c'est plutôt facile. Sinon, ceux-ci, ils sont pas allumés, les mecs. Et bon, sinon, visiblement, pour les allumer, il y a un petit problème. Voyons voir ce qui se passe quand j'appuie ici. Ok, non, ça les allume. C'est pas intéressant. Ils sont déjà allumés. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur le deuxième levier là? C'est intéressant. Oh, oh, regardez-moi ça. Il y a un répéteur qu'il faut positionner, à mon avis, juste ici pour combler le vide. Bon, ça ne sert à rien pour le coup, les mecs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Oh, j'ai fini. Regardez-moi ça, c'est ça qui est arrivé. Tous les pistons ont été activés. Ça veut dire que bon, oui, je peux voler et remonter directement vers la fin. J'ai réparé le golem. Mais non, mais c'était trop facile en fait. Je suis trop fort. C'est bon, je t'ai tout réglé, Patrick. J'ai jamais vu que t'avais ce nom, c'est très bizarre. Ouais, bon, moi en attendant, je t'ai ouvert le truc. Hein, me remercie pas surtout. Oh, merci. Et toi, tu vas remercier, toi? Bah non. Bon, on est quitte. Allez, au revoir. Mais pourquoi j'ai avancé comme si de réalité, les mecs? Là, j'ai fait le malade là. Qu'est-ce que je fais dans l'Under? Mais qu'est-ce que je fais dans l'Under? Mais c'est pas possible, sérieusement là. Oui, pas que c'est lui qui a mangé mon poulet quand même. C'est pas l'Under Dragon. C'est pas possible. Oh, ce qu'il aurait fait. Bon, les mecs, en tout cas, tant pis, on va les foncer sur lui là. Et mon dieu, les mecs, je viens d'atterrir dans une nouvelle prison. Pour une prison. Bon, on va quitter cette prison, les mecs. C'est bon, je suis devenu un expert en prison maintenant. Ok, visiblement, il faut partir par là. Donc bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour partir? On va prendre ça. Grâce à ça, je vais me faire un bouton et on va ouvrir cette petite planche. Boum. Ok, c'est bon, les mecs. Maintenant qu'on est arrivé là, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Non, on peut pas passer à la prochaine étape. C'est quoi ce délire là? Pourquoi il y a de la lave de partout? Comment je fais? Il y a forcément un truc caché, une méthode. Oh mon dieu, un grappin. Let's go. C'est exactement ce qu'il me fallait, les mecs. On va utiliser le grappin pour arriver là. Puis ensuite pour... Mais c'est horrible, t'as l'impression que tu vas mourir à tout moment. Surtout que bon, attendez, pourquoi j'irais là-bas là? J'ai juste à aller directement vers la fin en fait, je suis débile. Ok, non, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, je suis pas mort. Et bon, du coup les mecs, on va pouvoir avancer. Regardez-moi ce que je viens de trouver, les mecs. Je viens de retrouver Diljot, oui. Tout est bien qui finit bien dans cette vidéo, abonnez-vous les mecs. Plus jamais je me séparerai de Diljot. Mais attendez, je viens de me rendre compte d'un truc là. Ok, j'ai Diljot, mais je fais comment là? On est bloqué dans un Under Dragon avec plein d'abonnés. Abonnez-vous.